N'avons excusé nous pour la live qui est coupée. Hein. N'avons excusé nous, donc nous retournons là bien rapide. Tout le monde qui est déjà monté sur la live, nous capable de faire le même travail là. Pendant que nous avons activé la cloche de notification, on fait le même travail là pour capable retourner avec nous la plein feu. Retourner avec nous, amis, au côté nous, on monte la live là bien rapide. Je vous dis là, on a bien la live là, mais pas en image, puisque ça pour capable de tomber. Dak, l'homme Léogan. Chéri Daniel Anderton, avec moi tout le temps. Et comment nous, on partage live là, son deux voisins, mais on partage live là. Et ben, je dis là, je ne suis pas content parce que le cavalier de Léogan a un problème. Je ne suis pas content. Il est clair que je ne suis pas content que le pays n'a pas représenté valablement dans le pays États-Unis. Là, ce n'est pas seulement le cavalier de Léogan, mais c'est tout un pays qui est en difficulté, c'est tout un pays problème ça. Nouvelle ça, choquer tout le monde. Donc, le gars de monsieur font un travail extraordinaire dans le pays voisin là. Al champion bat tout le monde qui est croisé sur le et là encore, il n'est pas capable à jouer de travail ça. C'est ça, nous les manque de chance. Est-ce que c'est vrai? Nous avons une chance, est-ce que c'est vrai? Non, nous méchants. Je dis à c'est quand même Ligue des Champions. Ligue des Champions, j'ai Simon Véliance, Jean Mime, en partage live là. C'est quand même Ligue des Champions. Jodi, on pral gagner deux matchs pour premier, huitième, de finale. C'est pral Sporting de Portugal qui pral capable de jouer contre équipe Manchester City. C'est à 3h. Real de Madrid, équipe Paris Saint-Germain. En pile moun Paris déjà joué. En pile moun attend des analyses pour capable de jouer. Il y a tout qui joue tout. Ça joue double chance, ça joue tout. Victoire, ça joue tout match. Ça veut dire que je ne vais pas faire un pari à mais si je d'accord avec vous et puis mon côté, je ne vais pas. Mais je dis, nous pas accentuer notre trop sur match équipe Sporting de Portugal là, et équipe et Manchester City, puisque légèrement nous voyons ouais, équipe Sporting de Portugal, c'est vrai, arriver dans le 8e de finale, c'est pas un cadeau, mais c'est pas une grosse équipe de Sporting de Portugal. C'est pas une grosse équipe après début c'est pour toi qui champion Ligue des Champions hein. Donc tu es en forme Belias Belias Simon tu es en forme sont bien normal et c'est pas vraiment une grosse équipe mais Manchester City par favori Matsa, il est clair que Manchester City par rapport avec jeu que l'a développé là avec de très bons joueurs que il gagne en vitif là parce que Manchester City parti favori, c'est presque un match 60 pour Manchester City, donc 40 pour Sporting, mais tout le bagage a passé sous terrain parce que c'est 22 joueurs, 22 athlètes, c'est quand même 11 de les deux côtés, équipe là, 11, tout le bagage a passé, position tactique que vous gagnez, il ne doit pas mettre en vigueur, mais il gagne tout dans le calendrier, je suis à dire que nous avons 4-3-3 classique, ou à dire que nous avons 4-4-2, donc équipe là, tout le gagne. Il y a ça tout dans l'agenda. Mais il est capable de toujours varier dans la position qui est au campion. Mais ça va être tout. Et nous prenons les rapides vite dans le match. Fort là, match en pile zami Apton. Match Mgono Apton. Oui, Mgono Apton. C'est match Real de Madrid Paris Saint-Germain n'est pas bien pris. C'est vraiment un match assez intéressant. En pile attente sur le compte Boulsa. En pile moun a analysé. En pile confrère a parlé du match ça. C'est pral yon match pour moi-même 50-50. Oui, c'est pral yon match 50-50. C'est vrai, c'est Real de Madrid. C'est vrai, c'est un Real de Madrid qui gagne Toni Kroos, qui gagne Thibaut Courtois. C'est un Real de Madrid qui gagne Casemiro. C'est un Real de Madrid qui gagne Luka Modric. C'est un Real de Madrid qui gagne Karim Benzema en méforme. C'est la dernière forme, c'est par rapport avec Titan Blessé le fait là. Attention, c'est meilleur buteur Liga. Logan, yon Real Madrid qui est venu ici jusqu'à monter en plateforme. C'est vrai, c'est yon habitué en termes de palmarès, en termes d'histoire. Son équipe, Real Madrid qui paraît nettement, t'as capable de paraître différent. Mais 8e de finale Ligue des Champions, c'est vrai, considérer que Real Madrid, c'est équipe. C'est une équipe qui connaît compétition ça qui est la Ligue des Champions. Les clients nous ont battu la donne, c'est pas sans raison que le plus titré la donne. Mais là, on a parlé de Real Madrid qui était bien commencé et pendant à moins que une semaine de Ligue des Champions qui a descendu.
absence Karim Benzema au PL dans match même dans dernier match que yo fait le match là dans dernier nous t'a dit dans journée Liga ouais absence Karim Benzema devant yo Paris Saint-Germain qui fait un pile achat pour Lionel Messi pour Sergio Ramos hey on va pas dire n'importe bagarre de Paris Saint-Germain il est clair on va pas dire n'importe bagarre c'est quand même Paris Saint-Germain qui gagne Lionel Messi là même s'il va en pleine forme. C'est quand même Mbappé, c'est quand même Neymar, c'est quand même Paredes, très bon milieu de terrain. C'est quand même en défense Marquinhos, c'est quand même bon, soit Donnarumma ou Costa Ricain, et n'a parlé bien de Keylor Gamboa Navas. Peu importe le goalkeeper mettez, c'est un goalkeeper de taille. Parce que l'on parle de Donnarumma ou parle de goalkeeper qui saute récemment à champion Euro, qui saute lui-même qui t'a joué dès qu'il passe Milan qui débarque en équipe Paris Saint-Germain, c'est quand même une grosse équipe de Paris Saint-Germain qui gagne ambition qui se prend la Ligue des Champions. C'est toujours même ambition hein? Après au fin faire finale, c'est toujours même ambition, c'est prendre la Ligue des Champions. Parce que finale pas veut dire ouvrir la Ligue des Champions. Certes, si on va compter équipe qui fait finale, on va compter Paris Saint-Germain là-dedans, mais en termes d'équipe qui prend titre, Paris Saint-Germain pas là. Ça c'est clair. Et moi je pense que le match lui-même est ouvert avec toutes deux équipes. Paris Saint-Germain, s'il jouait, même s'il jouait TG contre Marseille, parce qu'il a pris Koukassien. Real de Madrid, c'est vrai, en Ligue des Champions, toujours fait effort pour montrer le niveau. Li. Même sur la match de Koutap dans la Ligue 1, il a toujours montré le niveau. Li. Mais si on parle de Real de Madrid qui est en tête de Ligue 1, on parle de toutes deux équipes Paris Saint-Germain qui est en tête de Ligue 1. Pour moi, c'est un match 50-50 avec de très bons éléments. Real de Madrid gagne milieu de terrain qui vraiment fatigué. Yo même qui vraiment pas bon remplaçant direct ou capable toujours faire roulement, Ancelotti manqué faire roulement dans l'équipe Real de Madrid ça, qui capable voir que le payer dans saison. Parce que l'ont gagné yon Vinicius qui a peine de jouer pour Brésil ou mettre le jouer. Tout fatigué donc ou montrer que manque de confiance ou gagner dans certains joueurs qui capable de répondre pas à 100% de Vinicius Junior, mais quand même qui capable au moins répondre à même 70-80% et puis ou choisir quitter le souban et pour mettre Vinicius. Pas oublier Vinicius soit en fait, il va faire en faire son humain, il va pas partir. Je pense que jodi là, Real de Madrid va jouer avec toutes âmes. Si nous capable dans tête nous ba 11 probable, c'est quand même petit beaucoup toi dans bagol là. À la bas et puis Eder Militao à droite il y a bien Cavaral à gauche sans doute il est capable faire Mendy puisque on a besoin une équipe on a besoin plus ouais nous capable Kentide Selo en forme on a besoin ouais yo joueur qui pique du sous l'homme parce que Logan Marcelo depuis Marcelo était jeune pour lui et Kouni là Marcelo pas jamais un bon joueur sous plan défensif. Bon en attaque, on dit sous plan offensif, c'était un bon Marcelo très bon techniquement, li la bon passe sur l'aile, nous songe que époque Marcelo a bail passe avec Cristiano Ronaldo, c'était Loloy. Donc moi c'est une équipe que m'étais tellement aimé, une équipe qui était Samuel on dit qui était Kedira, qui était Mesut Ozil, qui était Di Maria, qui te gagne Cristiano Ronaldo, qui te gagne tout Gareth Frank Bell un certain temps, qui te gagne Sergio Ramos Pepe. C'est une équipe qui était vraiment intéressant. Mais en quitte là, réellement l'équipe va jouer avec milieu terrain qui paraît vraiment fatigué. Parce que monsieur joué plusieurs 90 minutes comme ça là et jodi c'est Ligue des Champions, yo pral gen pour devoir pour efforcer yo pour capable bay meilleur de eux-mêmes. Yo pral mettre yo tête yo nan obligation pour jouer un bon ligue un bon match devant équipe Paris Saint-Germain pour capable gagner équipe Paris Saint-Germain la caille n'a pas de pression ceux qui capable faire équipe Paris difficile donc Paris Saint-Germain tout lui-même livré à tout prix gagner Real de Madrid ça veut dire c'est là où nous gagnons un match lui-même 50-50 en termes d'effectif oui Real de Madrid paraît yo équipe qui t'a capable gagner plus joueurs oui oui parce que changement yo c'est vrai Eden Hazard pas en forme mais il est Eden Hazard quand même l'ancien de Chelsea c'est quand même Eden Hazard
ou capable garder sous ban gen Rodrigo, ou capable garder sous ban gen Valverde, Isco, ou capable garder sous ban oui Benzema capable mettre monsieur à la donne Marcelo ou gen monsieur Tacou Vasquez et après blessure Cavani qui t'a joué Mister J qui t'a joué un bon latéral droit, elle fait job là bien sur le plan offensif il jouait et défensif il jouait. Donc je pense que Real de Madrid gon effectif qui est assez riche que l'équipe Paris Saint-Germain hein. Mais pour autant Paris Saint-Germain gagné et ça n'a pas brûlé bon élément yo gagné Messi quand même le parle de Lionel Messi ouais ça veut dire ça pèse dans balance là c'est vrai le match qui va assez intéressant jodi honnêtement pas en forme pour ta capable répondre à 100% pour Real et pour équipe Paris Saint-Germain hein. Mais tout va y passer puisque le sens de leadership là il va gagner mais à n'importe quel moment capable déstabiliser en défense pour capable jouer directement au filière. Jodi an et match là si tout bon vrai paraît déstagner Joel mitan terrain qui brial le Madrid là ça va le mettre Real Madrid dans grande difficulté parce que le gars de monsieur Andy Trio Luka Modric et yo monsieur Danko Casemiro et yo monsieur Danko Toni Kroos monsieur fatigué. Jodi an si peut-être que moi même ça c'est position pas même si ça moi que Ancelotti est capable de faire. C'est vrai, c'est Ancelotti qui a expérimenté les champions, les deux champions avec AC Milan, les champions avec Real Madrid tout. Mais c'est peut-être la vie pas. Je dis là, je choisi que je commencer avec un trio, même pas finalement. Finalement. Parce que au niveau du milieu de terrain, Real Madrid, il y a un bon monde, il y a un Isco, il y a un Valverde, il y a un Camavinga. Qui a joué pas remplaçant direct toi monsieur Sayo mais qui capable jouer plus ou moins bien mais lorsqu'il met à chaque match à répétition qui met là donc on a craser Jolan qui veut que il va capable bon rendement c'est ça qui arrive tout à Vinicius dans dernier match on connait le besoin Vinicius pour Ligue des Champions c'est vrai match a gagné en pile ajouté de gagner match là mais Vinicius est arrivé dans deuxième période là il va dans match Paris Saint-Germain, c'est un match 50-50 entre Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Là, je suis clair là-dessus. Tous deux équipes ont pris à jouer pour gagner. Tous deux équipes ont vu à rage pour gagner. Paris Saint-Germain, c'est vrai. En connaissant Pochettino, ce n'est pas un grand coach en termes de palmarès. Mais tout le monde est capable de passer parce que les gagnants de très bons éléments dans les gagnants de très bons âmes. Di Maria vient en forme ni là, Di Maria en top forme ni. Nous demandons les amis qui en bas live yo pour capable partager live là pour nous permettre plus monde capable live là. Nous avons rendez-vous comme ça chaque semaine lundi au vendredi. Comme ça. Plein gagné comme ça. Jeudi et n'a gagné en pile cause pour nous parler, n'a capable suivre match live sur Faisa. Et oui, pour me finir monsieur dame, c'est un match qui était ouvert 50-50. Et puis, Jean-Ulki, Joseph, à vous autres, Jean-Mim, à vous autres, femmes. C'est quand même intéressant. Et Paris Saint-Germain, les 50-50 entre Real Madrid et Paris Saint-Germain. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu as suivi nous. Et merci parce que tu toujours like, abonné, partager. Tout ça que nous postez ici, là, sous pas ça. On va débuter avec l'officiel. Nous prions grâce pour capable passer abonné avec nous sur YouTube. Wadli. Petit coulant tout simple tout ça c'est même magal Instagram seulement même j'ai avec Facebook qui est officiel merci parce que tu as partagé ou tu as like tout ça que nous t'as parlé là bonsoir tout le monde.